On en vient à cette question. Combien d'entre nous ont réellement conscience que les photos que nous publions sur les réseaux sociaux ne nous appartiennent plus? Des photos qui peuvent être exploitées ou détournées. Le député alsacien Bruno Studer entend tirer la sonnette d'alarme. Il propose une loi pour encadrer ces publications. Manon Harib, Caroline Arnold et Alain Locascio. Des enfants dont les sourires s'affichent sur les réseaux sociaux, dans des vidéos ou des photos publiées par leurs parents. Des moments en famille, des photos de vacances, parfois vêtues d'un simple maillot de bain ou d'une couche culotte. Les Français n'ont pas tous la même manière de poster. Ça m'est arrivé, oui, notamment sur Facebook. Mais j'avais un usage relativement limité et je suis toujours restée vigilante sur la politique de confidentialité des différents réseaux. On n'est pas très amené à poster beaucoup de photos en premier de nous, donc encore moins des enfants. À l'inverse, certains influenceurs partagent sur les réseaux les petits moments du quotidien avec leurs enfants. Comme Noémie Daklina, qui poste régulièrement des photos et vidéos de ses 5 filles. Ma préférée. En faisant la promotion de certaines marques, et en touchant des revenus. Mais la famille s'est fixé des limites. On est fiers d'eux, on aime bien montrer leur petite tête, leur petite bouille, partager des beaux moments. Mais il y a des choses qu'il faut garder pour soi aussi et faire attention. Ces enfants ont déjà plusieurs dizaines de photos en ligne. Et ce ne sont pas les seuls. On estime qu'en moyenne, avant l'âge de 13 ans, un enfant apparaît sur 1300 clichés publiés en ligne sur les comptes de ses proches. Problème ? Ces images sont parfois utilisées à leur insu. Selon une étude, la moitié des photos échangées sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées sur les comptes des parents. Une situation inquiétante. Selon cette association, c'est aussi aux parents de contrôler ce qui est posté en amont. Pour laisser un enfant à l'adolescence puis à l'âge adulte utiliser son image de façon respectueuse pour lui et pour les autres, il faut d'emblée que le parent lui montre l'exemple. Donc il faut d'emblée que le parent, par exemple, demande à son enfant « Est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne en photo ou que je te filme ? Est-ce que tu es d'accord pour que je diffuse ou pas cette photo ou cette vidéo de toi ?» Et si l'enfant dit non, on respecte. Alors les enfants sont-ils trop exposés sur Internet ? C'est le constat de ce député à l'origine d'une proposition de loi pour sensibiliser les parents. Il y a des familles qui se filment 24 heures sur 24 et donc qui filment leur enfant 24 heures sur 24, y compris dans des moments intimes. Le pot, l'apprentissage de la propreté, le bain. Et ça fait de la matière première, malheureusement, pour les pédocriminels. La proposition de loi sera examinée au mois de mars.